Et salut à tous les amis, c'est OG45. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo sur la Wii, encore une fois. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu que j'ai en physique, que j'ai acheté en vitrine à 2 € au potier. Voilà, sachant que c'est rare pour moi de trouver des jeux à moins de 5 €, c'est extrêmement rare. Surtout à moins de 5-4 € et encore moins 3-2. Moins à moins de 3 €. Et donc je vais vous parler de Bakugan, défenseur of Corée, of the Corée. Excusez-moi si je le prononce mal. Alors c'est pas un genre de jeu que j'apprécie énormément. Moi mes genres de jeux que j'apprécie c'est les jeux à monde ouvert style GTA, des trucs comme ça. Animal Crossing c'est un jeu à monde ouvert, j'adore. Franchement, les jeux libres, j'adore. Voilà, et je sais pas si là dans le jeu il y a un mode libre, mais bon. Bah, c'est un Bakugan, et je pense que Bakugan ça doit être un jeu assez. Un jeu violent parce qu'il y a la petite. Le petit symbole de violence en dessous de Peggy. Par contre, c'est un Peggy 7, tant mieux. Mais moi je joue même au PEGI 18, hein. GTA c'est PEGI 18 et je joue quand même. Non, je peux l'installer, ça sert à rien. C'est le défaut d'avoir un disque dur. C'est un disque dur pour mettre tous les jeux à l'intérieur. C'est comment dire, c'est que vous mettez des jeux via internet. Déjà, le logiciel qu'on mettait pour les jeux, c'était. Alors, déjà, on le téléchargeait via T411. Et sachant que T411 est un site illégal. Voilà. Et je vous déconseille de télécharger des trucs via ce site et via Interrun. Parce que vous pouvez avoir de gros ennuis parce que c'est un petit peu de la cybercriminalité, c'est du vol, tout simplement. Et maintenant T411 est placé comme un des sites interdits, enfin un des sites illégaux. Je sais pas si l'un d'entre vous connaissent ce site, mais je vous déconseille déjà d'y aller dessus. Et encore moins de télécharger des trucs via ce site. Donc, continuer sans sauvegarder, de toute façon, on est un nouveau joueur, on ne sait pas ce que c'est. C'est Manachoke qui bug. Des fois, Manachoke a un problème. Activation. J'adore. Activation, c'est bien, c'est des bons développeurs. J'aime bien moi. Activation. Je trouve déjà que le logo est sympa. Neleva. Alors, action. Alors, Neleva. Dolby Pro Logic 2. Et action. C'est tout. Et c'est pas mal. Comment va être ce jeu? J'espère que c'est pas un jeu à la Beyblade. Ouais, t'as raison, on va faire comme Kirby. On va être que A, de toute façon, non. Un petit Yoshi, parce que c'est le nom de la chaîne. Excusez-moi, ça prend trop de temps. Perdre du temps pour rien. Putain, j'ai pris la mauvaise netchuck. Netchuck blanche, elle est morte. Et j'espère trouver des netchuck en vide grenier ou partout parce que c'est bien assez dur. Déjà que j'ai plein de netchuck qui sont morts. Putain, deux choses.
Mais arrête! J'arrive pas à manier. Alors, faut savoir que sur le site jeuxvideo.com, excusez-moi, on peut mettre des notes et c'est, je trouve ça cool. Et j'ai, à la fin de la vidéo, je vais vous dire la note que je vais mettre sur ce jeu. Et j'ai pensé à mettre une note sur le site jeuxvideo.com sur ce jeu. Voilà, alors. Ah putain. Moi, c'est un petit peu vert clé. Avec marron aussi. Le nez. Oula. Le basique. La bouche. Je vois pas à quoi ça sert. Il y a quoi de différence? Ouais, elle était bizarre, hein. Suivant. Ah, les vêtements. Oh, si c'est un jeu qui ressemble à la Pokémon, ça aurait été trop cool. Oh, je prends celui-là. Ouais, il y a du bleu, mais on voit pas trop le logo. On va voir si c'est rouge. Là, on va mettre bleu. Chaussures. What? Ah, ma Wii elle fait un bruit étrange comme à chaque fois que j'appuie sur un bouton. Peut-être enfin pouvoir jouer. Les options arène aventure. C'est parti. Alors Bakugan, je connais, hein. C'est bien parce que les petites billes en vrai sont sympas. Excusez-moi. Appuyez sur le bouton pour... Les déplacements et l'attaque.
Ah si. Ok, putain, ça va, je suis en vidéo, je suis concentré les gars. Ok, je n'ai rien pris. Ok les gars, en tout cas, j'aime bien. J'aime bien ce style de jeu de combat à la Street Fighter, à la Mortal Kombat moins parce que c'est un petit peu violent, j'aime pas trop. Trop violent comme ça, mais les styles à la Street Fighter, voilà, j'aime bien. C'est chiant, on peut pas spammer les trucs. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'il y a les voix parler. C'est quand au monde des trucs comme ça, il y a les voix. Et ça, je trouve ça cool. Parce que quand c'est juste
Voilà pourquoi je vais faire ça tourne toujours mal. Voilà. C'était vraiment limite cette fois. Quand il fait juste le bruit de l'écriture bizarre, c'est pas super super. Comme dans Animal Crossing, mais Animal Crossing c'est une voix. C'est une voix bizarre. Je sais pas comment dire. C'est une voix. En fait, il dit les lettres une par une, donc voilà. Par contre, ils arrivent à dire oui, quand même. Donc c'est déjà bien. Hein. Donc continue comme ça. Putain, les animations elles sont trop chiantes. Il y a trop d'animations d'un coup. D'accord. Tiens, notre personnage y parle. C'est étrange. Japon, zone industrielle. On est à 17 minutes. Ouais, bah, on va voir combien dure les cinématiques. Ah, j'adore ça. Ah, j'adore ça. J'adore les petits jeux comme ça. Ah, les petits distributeurs qu'il y a au Japon, ils sont trop marrants. Ok, je crois que ça doit être un...
Ok, on va préparer au premier vrai combat de cette partie. J'espère que le disque, la carte SD va pas lâcher. Bakugan. Ah, on n'a pas le choix. Oh. On n'a pas totalement le choix. Ah, si, je sais pas, je suis trop choqué. Combat. Hologramme, c'est. Voilà quoi. Je sais ce que c'est, mais pas dans le jeu. Ouais, donc, oh, les gars, excusez-moi, que comme ce que je savais ce qui allait arriver, la carte SD a lâché sur les vidéos. Donc en tout cas, ce n'est pas grave. Et donc j'ai fait mon tout premier combat tout seul. Du coup, j'avais pas le choix parce que sinon j'allais me faire un peu. Mais en tout cas, j'ai gagné pour le premier combat. C'était plutôt pas mal. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter surtout. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde et on se dit à la prochaine. Bye.